à tous, eh bien oui, nous sommes de retour en atelier peinture. Vous pouvez constater derrière moi que j'ai avancé, j'ai rectifié certaines choses. Bon, c'est pas trop ce que je voulais faire au départ, mais je pense que ça va aller quand même. Nous verrons bien ce que ça donnera avec la suite. Donc j'ai commencé à faire mon fondu brouillard. J'ai pensé qu'il était temps de continuer à partager ça avec vous. C'est parti! Alors maintenant, nous allons commencer à placer du paysage, notamment une forêt en fond. Il était question que l'on se fasse peut-être un plan d'eau. Donc, je vais fondre un peu plus ici. Voyez qu'avec l'acrylique, vous pouvez très bien enlever ce qui risque de vous gêner. Allez, c'est parti pour notre partie paysage. Alors là, je m'aperçois que mon pinceau ne me convient pas. Je n'ai pas bien choisi mon pinceau. Donc, je n'insiste pas plus, je change. Je récupère un maximum de peinture qu'il y a dessus. Je change de pinceau.
Alors là, j'espère que vous y voyez au fusain. Moi, souvent, je le fais à main levée, mais quelquefois, je me trace une trajectoire que j'ai tracée là au fusain. Je ne sais pas si vous la voyez, donc je la suis. Voilà, je me trace ce que je veux laisser apparaître un petit peu, voyez, sur ma toile. Donc, je me fais des trajectoires de d'îlots qui vont arriver comme ça. Même celui-là, je vais peut-être l'avancer un peu, je vais voir. Voilà, des rives qu'il y aura autour de ce lac. Donc, je ne sais pas même si je ne vais pas faire exprès d'avancer celui-là un peu plus. Je vais voir. Voyez, je trace au fusain. Alors, comme d'habitude, le fusain, on l'enlève très facilement sur la toile. Donc là, il faudrait que je fasse quelque chose comme ça. Peut-être. Et alors à ce compte-là, ici, ça viendrait plutôt comme ça. Voilà, on verra. Voilà, donc là j'ai tracé au fusain ce que je vais mettre maintenant sur ma toile. J'attends un peu, je réfléchis, voir si ça peut être compatible. Ça ne me plaît pas trop, vous voyez, au final. Donc, prenez le temps de réfléchir, de vous arrêter un petit peu pour éventuellement voir ce que vous pourriez faire. Voilà, il faut que ce soit logique. Là, je suis en train de dessiner de futur tahut et je suis en train d'essayer de réfléchir aux rives intéressantes que je pourrais donner. Donc, n'hésitez pas avec le fusain. Ici, il va falloir que ça vienne à peu près de là. N'hésitez pas à tracer avec votre fusain puisque en vous servant de votre gomme mie de pain, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous avez possibilité de rectifier. Donc, n'hésitez pas, on travaille là-dessus et puis on continue un petit Alors, je peu. Je me pousse, j'ai fait à peu près mes tracés, je vais voir à mesure que je peins, voir ce que ça donne. De l'autre côté aussi, alors je tiens quand même à vous dire que c'est très difficile pour moi parce que je dois entre la caméra et la toile ici, vous voyez, je passe tout juste. Si je vous passe devant, je ne peux pas y arriver. Sachez quand même, tenez compte que je dois avoir même pas 50 cm entre la caméra, le trépied et la toile. Donc, c'est un peu difficile. Mais on va y arriver. On y va, c'est parti. Derrière, il y a les neiges éternelles. Et les neiges, on va essayer de faire un entre-deux. On est sur la fin de l'hiver et le printemps arrive. On va essayer de faire ça. À de suite.
Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, j'ai posé un petit peu mon plan. J'ai pas trop mal avancé. Vous avez vu, j'ai travaillé au gros pinceau. Voilà. Donc ça se dessine petit à petit. Ce que je veux maintenant arriver à pouvoir joindre, c'est peut-être le camping-car et encore c'est pas dit, mais au moins signaler Iscréart et pouvoir y mettre Coco et Chanel, bien entendu. Voilà, c'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui.